Dans l'actualité également, le gérant du cockpit qui ne veut pas décoller de l'aérodrome de Bondues. En effet, aujourd'hui, le gérant de ce restaurant est entré en résistance. Normalement, Bruno Pinault devait avoir quitté les lieux hier soir après décision de la mairie et même du Conseil d'État. Mais ce midi, le directeur de l'établissement a ouvert son restaurant comme tous les jours et a servi ses clients. Le cockpit devrait être transformé en un tout nouveau complexe hôtel-restaurant-salle de séminaire lancé par le syndicat de gestion de l'aérodrome. Tout a été fait dans la légalité, mais de son côté, Bruno Pinault s'estime lésé à la tête du cockpit. Et depuis 1984, il réclame aujourd'hui 600 000 euros de réparation alors qu'il n'est plus le propriétaire du bâtiment. Et tant qu'il n'aura pas obtenu gain de cause, pardon, eh bien Bruno Pinault n'occupera son restaurant et ne bougera pas. Je suis évidemment en train de m'intéresser à plusieurs endroits, mais actuellement j'ai zéro dans ma poche, quoi. Tout le problème, il est là. Je ne peux pas recréer sans qu'on perde l'outil de travail qu'on a. Vous avez vu quel outil il s'agit. C'est quand même quelque chose de formidable. Ça tourne depuis près de 30 ans. Bon, aujourd'hui, les élus ont décidé de s'intéresser au site. Ils auraient dû le faire il y a 30 ans aussi. Hein, mais bon, maintenant, on doit partir, on doit partir. Mais ça représente quelque chose, quoi. On ne peut pas dire qu'un outil comme ça vaut zéro. Hein, parce qu'aujourd'hui, on nous propose zéro. Voilà. Et à la limite, on me demandera encore de l'argent.